Salut YouTube et bienvenue sur la démo de Forbidden Tapes. On te prend sur un pseudo menu parce qu'en fait le jeu se lance directement. Le chat est chaud, le beat est bon. Forbidden Tapes, c'est un simulateur, un walking simulateur d'horreur où apparemment on visionne des cassettes interdites et on va visionner dans cette démo la cassette de Jérémy qui est un explorateur d'Urbex. Enfin, tu commences à comprendre un peu cette nouvelle mouvance de l'Urbex, de l'horreur, des hôpitaux abandonnés. Bref, installe-toi, on est parti. Tu auras le lien du jeu dans la description si jamais ça t'intéresse. Let's go, baby. Et en plus, le jeu est en français et ça, c'est top. On est parti. N'hésite pas à venir le voir sur Twitch et à claquer ta holly. T'as les liens dans la description. Code Mister Tiboot. 911, what's your emergency? My son is missing. He hasn't come home. Okay, what's his name? Eric. His name is Eric Hall. Okay, how... Ah, le frère de Anna. 18 okay. Years old. 18 ans. He should have been home by now. Please. This isn't normal. Since when hasn't he been home? He left this morning for Riverstown High School and he was supposed to meet with friends afterward to watch a match and it's in the late afternoon, but he wasn't there. Okay, his friends didn't see him at the match, is that it? Yes. Okay, on n'a pas la date et on n'a pas le prix, le chat me dit. Okay, it's possible he went out with other friends, ma'am. No, no, he was eager to watch the match with them. He never missed one. Okay, maybe he changed plans at the last minute. Does your son have a girlfriend, ma'am? J'aime bien l'intro. Ça te met direct dans le... My son is missing. I'm telling you, something is wrong. Listen, ma'am, it's too early to think it might be a disappearance. It's... But listen to me. Ma'am, he's a young adult, so there's a good chance he just went out to have some fun. Damn it, I know my son. He would never have gone out so late without telling me in advance. I understand your concern, but unfortunately there's no evidence to suggest your son is in danger. The best... You're not listening to me! Ma'am, the best thing for now is for you to wait 24 hours before reporting his disappearance. 24 hours? I'm not going to wait 24 hours! I'm sorry, ma'am. I'll have to hang up. No, wait, sir! Ok. Je croyais qu'on jouait une cassette Jérémy, enfin c'est ce qui était marqué. Donc attends, on va jouer le gamin qui a disparu du coup? Oula. Ok, ça doit être ça. On doit être le gamin qui a disparu. Ouais, le voice-over est pas mal, le voice acting. Forbidden Tapes, The Haunted Maze. Ok, donc le labyrinthe hanté, et on joue. Ok. Eh, hey, ça a l'air assez propre! Ok. Quand j'appuie sur Tab, je me penche. Ok, c'est bizarre. On a l'air d'être pieds nus. On peut courir, on peut pas sauter, on peut se baisser. Ok. Not, no. I need to stay calm. Bonjour Eric, tu te demandes certainement où tu te trouves actuellement. Cela it's a fucking joke. Ne doit pas être très agréable, je le conçois. Mais je t'assure que cela va en valoir la peine. Alors ne t'inquiète pas. Tout cela te sera expliqué dès que tout sera prêt. Je n'ai pas grand-chose, mais je t'ai laissé de quoi grignoter. Ce n'est pas grand-chose, mais je t'ai laissé de quoi grignoter. I'm not thirsty at the moment. Ok. What the hell is going on? Ah, s'il y a un petit œil, on peut zoomer dessus. Ok, ok. Alors, est-ce que c'est un escape game ou... Ça a l'air intéressant pour l'instant. Cher joueur, ah! Petit message pour te remercier d'essayer cette démo qui est en réalité le prologue du premier épisode de Forbidden Tapes. J'espère sincèrement que tu passeras un bon moment. Je m'excuse d'avance pour les bugs. C'est trop bien! Ah, je trouve ça cool. Je trouve ça cool qu'il ait mis ça comme ça. Bah du coup, qu'est-ce qu'on fait? On attend d'avoir soif? Comment ça se passe? Non. Please, is there anyone there? Ok, il y avait un bruit. Ok, il y a quelqu'un qui arrive. Allô?
Oh, c'est moi. Alors, c'est pas moi qui bouge. Hein. Okay. On est en 86. On est en 86. Comment il s'appelait son fils déjà ? Je peux pas bouger. Hein. C'est Eric, ok Eric. Eric Hall. Ok, j'imagine qu'on va s'endormir. Tu te réveilles là, moi je me rendors pas avant plusieurs heures. Hein. Frère de Hannah, voilà c'est ça. Le jeu a l'air un petit peu mal opti. J'ai le PC qui chauffe là. De ouf. Il chauffe sévère d'ailleurs. Ok. Est-ce que là j'ai soif ? Ok, là j'ai soif. Oh, ça s'éteint. Hello, Eric. Oh, you sell them well? C'est fort. Don't get too accustomed. I'm gonna try and give you the opportunity to leave here. You have been selected for this experiment. Maybe this word scares you. Rather, think of it as a TV game show where you're the lucky contestant. Okay. You will be. Way, the first person to discover this place as it is currently arranged. There are probably still a few flaws, thanks to you. I'll be able to correct. Hey, les sous-titres sont pas mal du tout. On dirait pas que c'est une traduction Google. I'm giving you a chance to leave, so explore this place. Observe. Look for a way to access your freedom. Ok, vas-y, let's go. Donc c'est une sorte d'escape game, j'ai l'impression. Ok. Ok, let's go. Bon, il y a l'air d'avoir beaucoup de cinématiques intégrées au jeu. C'est pas moi qui joue, hein. Oh, ça s'est refermé. Ah non. Ok. Garde espoir. Et le jeu est assez joli, hein. Ouais, je m'attendais pas à ce qu'il soit assez joli. D'ailleurs, on va bientôt se refaire un jeu que j'ai fait il y a 2 ans. Qui est plus joli que celui-là, alors que le jeu est sorti il y a 3 ans. Vous verrez, c'est une dinguerie. Ok, il y a une clé. C'est marqué espoir dessus. Garde espoir. Ah, pas mal, garde espoir. La clé s'appelle espoir. Ok, j'ai pas d'inventaire. Ok, pour l'instant, j'aime bien. Surtout si le jeu commence à nous mindfuck niveau level design, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Le titre du prologue, c'était The Maze. Hein. C'était le labyrinthe. Oh, c'est quoi ? Des traces ? Was there someone else before me ? Donc ça, putain, si chaque chapitre est un délire comme ça, ça peut être vraiment pas mal. Hein. Okay, something's missing here. Ok, il manque un truc là. Alors là, tu vois, je préférais qu'on ait des hallucinations et des jumpscares plutôt que... Oula.
plutôt que un truc qui nous poursuit, tu vois. Okay, on a un couloir ici. Là, c'est où on a chopé la clé. On va pas aller à la porte rouge tout de suite. C'est ouvert là ? Non, ok. Putain, on n'y voit rien. Mabel Market ? Alors, j'apprécie que ça soit en français. Ça, ça fait plaisir. Oh merde. More traces. Someone tried to escape. What? Attendez, on est dans les backrooms là? $100. Et bonjour. Ok, exit, il y a un truc. Je sais pas si j'y vais dans la... Est-ce que je vais voir la porte en rouge ou j'essaie de sortir tout de suite? Il y a peut-être plusieurs fins à la... On a entendu une porte? Reviens plus tard. Ok, donc ça c'est la démo. Attends, mais c'est quoi ce jeu de taré là? Tout est en français, putain, mais c'est un jeu français? Recherche intensive d'un tueur en série dans l'Oregon. Ok. Merde. Le jeu a l'air insane. Ok, il y a un coffre fort. Ok, il nous faut un code. Ah mais ça c'est typiquement le genre de jeu que je kiffe. De l'eau. Est-ce que j'en bois? Vas-y, je la bois. Ok. Ça a l'air spé là. Ah merde. Bouteille d'eau, maison, pièce d'échec et arbre. Donc bleu, vert, orange, gris. Ouh, le jeu a l'air pas mal en vrai. Hein. Le jeu a l'air pas mal. Attends, attends, il y avait marqué un truc en français, là. Cherche son année de naissance. Additionne les deux numéros trouvés. Ok, 1900 quelque chose. 1900 quelque chose. Elle doit être sur le journal, du coup. 1972. Additionne les deux numéros trouvés. Donc faut additionner 19 et 72. Des bisous, Manouch. Ah bah tu commences bien le marathon, Manouch. C'est ça? Si j'ai bien compris? Bonsoir, bonsoir. Ok. Oh mais le jeu est insane. Qu'est-ce que tu racontes, Gohan? Observe et réfléchis. 4 pièces singulières composent cette zone. Chacune, ah, le problème c'est qu'avec la lampe on voit rien en fait.
Chacune d'entre elles cache un nombre que tu devras deviner. Observe attentivement ce qui t'entoure. Chaque détail a son importance. Ok. Le dernier mariachi. Ah, il y a un truc dans le bouquin. Il y a des boutons là. Ah merde! Ah, il faut placer le livre quelque part. Non mais attendez, je crois qu'on est sur un banger. J'adore le fait qu'il garde le bouquin dans la main. Ok, il faut peut-être placer le bouquin sur une étagère. Non. Donc notre premier numéro c'est... Oh putain, c'est rien, c'est collision. Ok, là y a rien. Donc notre premier numéro c'est la date de naissance, donc c'est 19 et les deux ensemble quoi. Et c'est bleu, donc à mon avis c'est ça. Hein. Additionne les deux numéros trouvés, c'est ça, je comprends pas. Les deux numéros de quoi? De son année de naissance? Ok, je vais essayer de voir où c'est qu'il faut mettre le livre. 19 plus 72 du coup. Ok. Oh, j'aime trop pour l'instant. Et on n'a même pas eu un seul jumpscare. Ok. Me dis pas que le numéro c'est le nombre de bouteilles. Ce serait pas possible. Ok, si vous avez des idées, vous mettez vue. Hein. Oh merde, exit, ça s'est fermé? Ah non. Il y avait un mannequin ici tout à l'heure. Ok, j'ai pas de lampe. Bon, le problème c'est que j'ai pas de lampe, donc je peux rien faire. Ok. Moi, je vais aller voir la porte rouge. Hein. Je peux dire une théorie? Non. Wow, wow, wow. Ok. Voir la porte rouge. Oh, il y a des bruits de pas, j'aime. Ok. J'ai pas d'idée là tout de suite pour le bouquin. Laissez-moi chercher. Ah. Attendez. Il y a quelqu'un d'autre. Hey. Hey, we need to get out of here. Le mec il crie et chuchote en même temps. We need to find the way out quickly. Get to the chapa. C'est qui cette nana là? Ah mais là, mais oui, putain, le bouquin faut le mettre là, je suis con. It really opened the door. Seriously, a key could have easily sufficed. What the fuck? C'est pour ça que le jeu est mal opti, c'est parce qu'il doit avoir chargé la map entièrement. Okay. Putain, j'aime trop en tout cas. Le petit coup des mannequins. Traverse. Ah bah tiens, c'est pas en français ça. Le bon ordre t'ouvrira la voie. Ok. L'ordre de quoi? Des tableaux? Ah, attendez, on avait un truc. On avait un truc avec des pièces comme ça. Ok, attendez, je vais regarder ça après. Je vais visiter ici. Ok, il y a des fils électriques reliés à des tableaux. Là. Ok, il y a un interrupteur derrière un tableau, je pense. Ah, il faut les activer dans le bon ordre. Ok. Alors attends, je vais lire le texte en anglais.
Donc là, il doit en avoir un aussi. Ouais, tu vois. Ok, faut le faire dans le bon ordre. Et il y en a 4. Et le quatrième, il est où? Il y a un truc derrière ça, non? Quatrième, il est là. Ok, là, qu'est-ce qu'on a? Alors que Cavalier se préparait... Putain, trouve les deux pièces restantes, additionne leur valeur. Oh! Ah ouais, maintenant j'ai pris le réflexe de regarder derrière. Il n'y a pas les cavaliers, il n'y a pas les... Attends, bishop et cavalier, c'est la même chose? Que reste-t-il? A plus 1 égale 2, B plus 2 égale 4, 2 plus 4 égale 6. Donc, A c'est 1 et B c'est 2. Ok. Le jeu est bizarre, mais j'aime bien. Ça change, tu vois. Le bishop, c'est le fou. Ah, je pensais que c'était le cavalier. Ok. Donc, fou, cavalier, roi, tour, ça dégage. Donc, il reste les pions et la reine. Il reste les pions et la reine, si je dis pas de bêtises. Bishop, cavalier, bishop, tour, roi. Mais il reste... Ouais, c'est ça. Je peux pas interagir avec, hein. Ayant été au moins un, les deux derniers combattants se regardèrent longuement, sachant que la bataille approchait dans sa conclusion. Trouve les deux dernières pièces restantes et additionne leur valeur. Ah, A1, ça veut dire... Ok, si elle est en A1, ça veut dire ça fait 2, c'est ça, non? Ok. Alors que le cavalier se prépare à porter le coup final, jeune homme, agissant. Des bisous, Bishop, c'est fou, ouais, Bishop, c'est fou. L'archer, perché au sommet de sa tour, parvint à sauver. Voyons son petit frère. Donc en fait, le mec a noté pour nous, tu vois. A noté pour nous ce qui reste. Et donc les deux dernières pièces. Bah les deux dernières pièces, c'est quoi? Parce que là... Il y a un truc, je comprends pas. On peut pas compter les pions, parce qu'il a dit les deux dernières pièces, tu vois. Il reste plus que deux pièces, là. C'est quoi ce bruit? Alors, peut-être qu'il faut qu'on fasse l'énigme des tableaux en premier. Bah non, A égale 1, B égale 2. Enfin, c'est pas très compliqué, quoi. De toute façon, il reste que la dame, là. Si t'enlèves les tours, les fous, les cavaliers et le roi, il reste que la dame. Et les pions. Mais les pions, il y en a plus que deux. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas. Je comprends pas le truc. Attends, je vais essayer de voir les tableaux. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Je vais essayer de tous les allumer pour voir. Ah, peut-être que je vais avoir de la chance sur l'ordre. Ah, il a sauté lui. On a entendu. Lui, il a sauté. Ok, donc j'étais peut-être bon en fait. Donc, 1. Attends. Je suis nul en énigme. Mais moi, je suis pas nul, mais je l'ai pas. Vas-y, Gisole, donne-moi ton idée. Ok, là, il y en a plusieurs qui ont sauté, donc j'ai dû me tromper, en fait. Là, celle-là, on peut la bouger, c'est sûr. Mais à mon avis, c'est l'énigme des tableaux qui nous permet de bouger ça. Ah, tu vois, c'est relié au câble. Comme... Attends, peut-être que ça, ça nous aide. Traverse la Great Dark City. Le portail de la destinée. Ok, Dark City, portail de la destinée. Ça, ça doit être le portail de la destinée. Ça, c'est pas la Dark City. Il restera deux pièces noires après que les blanches... Ok. Ça, c'est le portail, peut-être. Oh putain, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Dazzling Light, Enchanting Shadow.
J'en ai aucune idée. Tu penses que c'est les deux pièces noires qui restent, du coup? Et du coup, les deux pièces noires qui restent, bah c'est... Ah non, il en reste trois. Il reste deux bishops et le cavalier. Oh putain, je panne rien, hein, je panne rien. Je vais piffer les tableaux. On va mettre le premier. On va mettre le portail. Ah, tu vois, ça a pas marché. C'est pas ça. L'archer sur la tour. Ah mais oui, l'archer sur la tour, c'est la tour du coup. Ouais. Le livre t'explique pour les prochains coups de la partie d'échecs, il faut continuer la partie selon le texte. Ouais, c'est pas bête. C'est pas bête, c'est pas bête. Ok, j'ai dû me gourer. Du coup, attends, s'il faut que je continue par rapport au... Ah, d'accord, faut juste que j'applique ça au l'échiquier, en fait. Les tableaux, je pense que c'est le plus simple, genre il arrive dans la ville, il pousse la porte, ouais, c'est peut-être ça. On essaiera ça. Mais du coup... Ok, le cavalier se préparait à porter le coup final au jeu de combattants gisés au sol. Donc le cavalier... Ah mais le cavalier, il est là. Et le cavalier, il peut toucher personne ici. Hein. Non, mais ça doit être ça, ouais. Donc c'est le cavalier là. Conscient que malgré leur faiblesse, ils brandirent tous deux leur épée et se défendirent avec... Ok, donc en fait, il y a le cavalier et puis t'as les deux là qui se... Tu vois, qui essayent de se démener pour survivre. Ok. L'archer, perché au sommet de sa tour, parvint à sauver l'un, les sauver d'un destin funeste, sans plus attendre. Donc, l'archer de la tour ici sauve celui qui est là. Donc, en H6. Mais ce qui est complètement débile, parce que le cavalier, il peut pas attaquer les pions, là. Mais bon. Accablé par la perte du cavalier, projeta l'homme dans son arc. Dans un excès de rage, voyait son petit frère agoniser au loin. L'aîné, donc il voit son petit frère agoniser au loin. Bishop, bishop. Ça, c'est le roi. Putain, c'est compliqué. Hein. Dans un excès de rage, voyait son petit frère traversa la colline. L'aîné de la famille Bishop traversa la colline, emportant brutalement avec lui les derniers soldats encore debout. Mais là, il est en échec. Attends, mais le mec, il sait jouer aux échecs ou pas? Oui, le guerrier au sol, c'est le pion renversé, on est d'accord. Saisi par la peur, ressenti les effets observants, le frère Bishop s'approcha sans résistance du roi, maintenant paralysé par la peur. Ouais, c'est ça. Oh, YouTube, on te reprend quand j'ai trouvé. Enfin, quand on a trouvé. Oui, c'est un noir et un blanc. Donc, en fait, celui en H6 est toujours vivant. Et c'est lui en D1. Donc, c'est H6 et D1. Donc, D, ça fait 4 et 1, 5. Donc, ça fait 5. Et 6 et H. H, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 8 et 6, 14. 14 et 5, 19. G7, pourquoi G7? Mais non, Ah oui, G7, il se relève. Plus tard, un jeune combattant que le cavalier s'apprêtait à achever se sentait hors de danger, se releva difficilement et contempla le résultat d'une guerre sans merci, c'est ça. Son regard croisa celui au loin d'un autre guerrier dont l'armure encore intacte. Donc t'as raison en fait. Donc c'est G7 et D1. C'est ça, hein. Donc ça fait 5 plus... 5 plus 14, donc 19. Bah c'est le même résultat. C'est le même résultat en vrai. Ça fait 19. Ça fait 19. Donc on est sûr du 19. On additionne les deux, hein, c'est ce qu'il disait. Hein. Trouve les deux pièces restantes, additionne leur valeur. Donc ça fait 19. Donc on a potentiellement... Et l'autre numéro c'était quoi? 19 et l'année de naissance, là. 19 plus 72. Par contre, les tableaux, comment on fait? Tra-
traverse the great dark city, among the many paths it offers you. Find the one that will lead you to the portal of destiny revealing. Le bon ordre t'ouvrira la voie. En vrai, il n'y a pas 600 ordres différents. Hein. The old lady whispered to him, a dazzling light or an enchanting shadow. Donc celui-là en premier. Là, on est dans un labyrinthe. Ensuite, on trouve une porte. Ensuite, on découvre une ville incroyable. Et on se retrouve face à ça. Non, c'est pas ça. Ok. Tac. La porte. En fait, il y a des fois, je baisse et je monte. Je sais pas si c'est... Tu vois. Alors, à mon avis, je fais n'importe. Ah oui, il faut que je l'ai... Ok. Il faut qu'il soit en haut pour qu'il soit activé, je pense. Là, il est en haut. Donc, il reste que le premier qui est pas en haut. Putain, je comprends rien. Le jeu est trop dur, quoi. Ou alors c'est moi qui est trop con. Ok, j'ai réussi. J'ai réussi, je sais pas, j'ai cliqué sur des trucs au hasard. J'ai réussi. Super. Let's go baby. Du premier coup. Let's go. Oh là là, mais ce jeu... Oh là là, mais c'est quoi ce jeu de taré? Ok, on a des runes. Attends, mais j'étais pas prêt mentalement pour ce genre de jeu, moi. On a de l'eau. Je bois l'eau ou pas? Oh, et la map est immense. Oh, la map est immense. Vas-y, je bois l'eau, hein. Et c'est qu'une démo. Merci, merci à tous. J'imagine que c'est le genre de jeu où il y a 14 fins différentes, tu vois. Faudrait peut-être que j'arrête de boire l'eau, non? Oh merde, la démo se finit comme ça parce que j'ai bu de l'eau. Oh non. What? Le jeu a l'air bien, mais en fait, il explique rien, le jeu. Et j'avoue que c'est... C'est un peu frustrant, quoi. On est là dans le vide, on sait pas ce qu'on va faire. Même si ça a l'air cool, hein. Dans le vide et dans le noir. Oui, il y a pas que de l'eau dedans. Il y a un chiffre à trouver avec l'eau. Ok. J'ai l'impression que le canapé bouge. Putain, c'est super bien fait, l'effet. Barbelé. Je sais pas où je suis, putain. Arrêtez de faire des jeux où on n'y voit rien, s'il vous plaît. C'est absolument pas stylé. Un jeu où on ne voit rien, ce n'est pas un jeu stylé. Ok. Attention les yeux. Yeah, speak English, how you doing? Ok, il y a un camion. C'est marqué quoi dessus, Big Flo Oli? Bonjour Eric. Ok. You doing good? Thank you for the follow. Attends, j'ai fini le jeu du coup ou... Allô? Ah! Oh merde, il y avait quelqu'un, j'ai même pas vu. Je t'en... What? Espoir, donc ça c'est la clé. Ok.
What the fuck? Je comprends rien. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Hey, how are you doing? Salut, salut, salut. Things didn't turn out the way I imagined. Ok, on a dû trouver une fin. At least, you should recover from this. Yeah, David, yeah. Attendez, c'était fait exprès? C'est quoi ce jeu? Cerveau.exe a cessé de fonctionner. Il y a encore de l'eau. J'ai envie de boire toute l'eau. Attends, c'est pas fini? Je n'ai pas beaucoup de temps. Bois de l'eau. I really don't want to drink that. C'est vrai? C'est maintenant que tu te le dis? Ok, alors je sais pas ce que je dois faire, mais je fouille hein, frénétiquement. Ok. Please. C'est fermé. Allô? Attendez, il y a peut-être un truc écrit dessus. Non? Mais... Non? The game looks really good, yeah, I just don't know what I have to do. Ah, ici. I won't be able to remove it like this. Ok. Faut trouver un tournevis. What am I going to do? I don't know. Vous avez une idée? Vous avez une idée de chat? Là, il y a une clé. Allô? Des bisous, Jay. Oh, je me réveille dans la toute première salle où j'étais au début. Ok, c'est la même salle du début. Ok. Il y a des empreintes partout par terre. Ok, je sais quelle clé, hein. Je sais où je dois aller. J'ai la clé pour la porte. What? Bonjour? Behind you. Hein? Ah, la caméra? Je peux pas y aller. Oh, je suis paumé là. Ok, je vais aller ouvrir la porte où c'était marqué reviens plus tard. Elle était par là, non?
What? Ah, c'est là que j'ai bu l'eau. Attends, what? Ok, P égale 10. Sablier renversé égale 20. Sablier renversé avec un trait 30. Et carré avec la croix 40. Ok. Moi, je suis là. Faut que je fasse... Ok, oh putain. Ok. Got it. Donc je sors. Ok, pilier là. Pilier là, sur la droite. Donc gauche, droite, bas, haut. Gauche, droite, bas, haut, souvenez-vous-en. Ok, on va compter dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc pilier 1, pilier 5, pilier 9, pilier 10. Ok, pilier. Donc marquez-moi dans le chat, s'il vous plaît. 1, 5, 9, 10. Et ensuite, marquez-moi dans le chat, gauche, droite, bas, haut. Merci. Des bisous à ceux qui ont se couché. Ok, merci. Donc moi, je suis là. Attends, par contre, il faut que je me repère au niveau du... Donc, c'est quand je suis comme ça. Donc, c'est ici. Donc, notez-le, sablier renversé, c'est 20. Donc, c'est 20 plus 30. 20, 30. Eh ? Attends, il manque pas des piliers, là ? Attends, il manque des piliers. Ah non. 20, 30. Et là, c'était quoi? C'était bas haut. 20, 30, 40. 40. 20, 30, 40, 40. J'essaie de faire des miniatures pour YouTube, mais... On est d'accord ou pas? Donc on est sur du 90. 90. On est d'accord? Je crois que j'ai tout bien fait. Hein. J'ai bien compté les poteaux. Eh ouais, 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, j'ai tout bien compté. Hein. Oui, 40, 40, 80, 130, 130, pardon, excuse-moi. J'avais oublié d'en compter un. Donc ça fait 130. Mais à quoi ça me sert? À quoi ça me sert? Ok, 130. Bon, bah écoutez, souvenez-vous du numéro. 130. Je pense que vous avez mis le mauvais description de jeu dans le sur Steam. Oh, mais il y a trop de numéros, il y a trop de trucs à souvenir, là. Ok, la gamine n'est plus là. Elle est où, la porte où c'était marqué « Reviens plus tard » ? Ok, je tourne en rond. Ok, là, c'est le début. La fille est où ? Oh, me dis pas, je recommence du début, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, je rage quitte. On recommence du début, je rage quitte. Non, c'était pas 10, 11, c'était 9 et 10. On a dû se tromper sur des poteaux, ouais. Après, c'est pas grave. Si on peut savoir à quoi ça sert... Non, à mon avis, on recommence pas du début. Non, regarde, on commence pas du début. Ok. Mais tout à l'heure, je pouvais pas y aller, tu vois. Donc là, elle dit derrière toi, behind you. C'est le bon jeu en épinglé? Ok, my bad. Derrière moi, y'a rien. Bon, j'aimerais bien retrouver cette putain de...
de porte où c'était marqué « Reviens plus tard ». Ok, donc c'était pas par là. Mais là, c'est où je suis allé tout à l'heure. Ah mais non, là c'est où je suis allé. C'est dommage qu'on puisse pas prendre ça dans nos mains, tu vois. Ah oui, ok, ok, c'est parce que j'avais pas fait gaffe au layout, donc c'est pour ça qu'on s'est trompé. Ok, ok, c'est pour ça que je me suis trompé. Donc les deux premiers étaient bons, je pense. Les deux premiers étaient bons. Donc ça fait 20. Attends, 20. Les deux premiers étaient bons. +30. Et en fait, après, t'as le long couloir. Et c'est pas celui-là, c'est celui-là. Celui-là, ici. 20+30+20. +10. C'est ça. 20+30+20+10. Donc ça fait 80. Ça fait 80. On est d'accord. Là, on est d'accord. Oui, ça va être la combinaison pour le coffre-fort. Je vérifie juste les deux derniers. Oui, les deux derniers, c'est ça, ils se font face. Donc 80. Ok, 80. Est-ce qu'on a une autre porte ici que j'aurais loupé? Ici. Ok, 80. Et on arrive ici. Il y a toujours cette porte là que je peux pas ouvrir. Elle était où la porte? Revient plus tard. Parce que normalement on a la clé. Alors attends, on a combien de numéros pour l'instant? On a le 80, on a le numéro des échecs là. Je sais plus combien c'est. C'était combien le numéro des échecs? C'était 19? Ah, à mon avis on s'est trompé parce que... je pense que c'est que des chiffres ronds en vrai. Hein. À mon avis, c'est que des chiffres ronds. Ok, elle me suit. Je sais pas pourquoi. Ah, je pense que c'est un bug. Ça doit être un bug en fait. L'animation se lance pas. Ah non. Et donc maintenant, elle nous suit pour de vrai. Ça me fait penser à Metal Gear Solid, ça. Bon, chat, par contre, la porte revient plus tard, je sais pas où elle est. Je deviens fou, là. Ah, est-ce que je peux passer par là où elle était maintenant? C'est pas bête, ça doit être ça. Attendez, je vais rester sur mes gardes. T'as peut-être raison, ouais. Ok, elle m'a vu. Ok, faut qu'on fasse tout le tour. Je sais pas où je suis. Allô? Ah, putain, le truc qui met deux plombes à s'allumer, quoi. Ok, je pense que c'est ça. Je pense que c'est l'animation qui met deux plombes à se lancer, en fait. Donc, en fait, quand tu regardes derrière toi, elle commence à te poursuivre. J'imagine. Alors, est-ce que je vais avoir... Est-ce que je vais réussir, du coup? Putain, le jeu était déjà pas assez compliqué. Il faut en plus qu'on sème... une gamine, quoi. C'est moi qu'elle s'est barrée. Ok. Ah oui, ok, on est là. On est là. Ok, attends, faut que je re-regarde ça, là. Donc la bouteille d'eau, c'est l'année de naissance. Les arbres, c'est la salle où il y avait, donc c'est 80. La maison, je sais pas ce que c'est. Ça doit être les deux derniers chiffres de son année, peut-être. Mais c'était marqué additionne les deux, hein. C'était marqué additionne les deux, ici, hein. Regarde.
Cherche son année de naissance, additionne les deux numéros trouvés. Ah, mais du coup, c'est 7 et 2. Elle est née en 72, donc c'est 7 et 2 qu'il faut additionner. Donc ça fait 9, non? Ok, je vois rien. C'est marqué le 4 juillet 72. Ça live jusqu'à qu'on finisse cette démo, j'aimerais bien. La maison, c'est où je suis. Ah, c'est peut-être la maison où je suis. Ah ben oui, c'est en vert, je suis con, c'est marqué en vert. Et les bouteilles d'eau, c'était quoi? J'ai pas suivi. 76? Pourquoi 76? Ah non, elle a disparu en 72, on est teubé. Cherche son année de naissance. Oh putain, je suis con, j'ai lu l'article n'importe comment, moi. Elle a disparu en 72. Mais oui, c'est sa date de disparition. Il faut qu'on trouve sa date de naissance. Susanna Meltdown. Disparition semble étroitement liée au nombre. Tu vois, on sait pas. Ah mais attends, comment on sait quand elle est née? C'est marqué 86 ici. Attendez, je peux pas changer la chaîne. Là on est en 86, mais ça nous aide pas à la Red Room. La Red Room, c'est ça? Ah, c'était là, reviens plus tard. C'était là, c'était là, c'était là. C'était là. C'était là. Ça se trouve, on n'aura pas de réponse, c'est la fin de la démo. Eh bah écoute, il y a un moment, faut y aller. Hein. Ok, c'est fermé. Non mais c'est quoi ce jeu de psychopathe, sérieux? Installe une caméra. Qui a construit ces tunnels? Jusqu'où mène-t-il? Qui provoque ces bruits? Ok, la bouteille d'eau, à mon avis, c'est plus on boit de l'eau, plus on va, tu vois, rentrer dans notre délire et ça va nous permettre de trouver un numéro, peut-être. Tu vois ce que je veux dire? I still hear those noises. It's coming from the other side of this door. This room, these corridors. They weren't in the plans, though. They swore they never built them. That's too risky. They need to find a way to seal it all off. I should take advantage of this and send someone to see what's at the end. Okay. C'est bizarre cette animation d'ouvrir la porte. C'est pour voir s'il y a un ennemi, mais je peux pas cancel en fait l'animation, donc... Oh mais attends, on a fait 4 démos ce soir, le live ça fait déjà 4 heures, c'est un truc de ouf. On a choisi... Sur 20 démos, on a choisi 4 démos au hasard, elles font toute une heure chacune, quoi. C'est un truc de fou. Allô? Ah, il doit être en train de charger, c'est peut-être un chargement. Elle disparaît en 72 à l'âge de 24 ans. Ah, sur la bouteille! Putain, bien joué, j'avais même pas fait gaffe. J'ai un briquet? Allô? Comment je m'en sers du briquet, du coup? Ah, mais oui, j'avais pas vu que c'était marqué, elle disparaît sur la bouteille de lait à 24 ans. Donc elle est née en 72, donc c'est bon, on a l'année. Oh merde. Oh merde. 72 moins 24, 48. Ouh, c'est pas cool ça. Qu'est-ce que c'est que ce jeu des enfers? J'adore parce que cette démo, je l'ai vraiment...
Je suis allé sur Steam et je l'ai chopé au hasard, hein, mais vraiment au hasard. Attends, je sais pas ce que je dois faire. Je dois trouver une anomalie, je dois continuer. C'est quoi ce délire? On a l'air d'être dans une boucle. Six. Ah merde, j'ai pas fait gaffe. Pas courir. Ok, là il n'y a pas de numéro. Salut. Ok, 6. 7. Ok. Ok, ça c'est un SCP ça. L'escalier là. Ah, je descends plus. Ok, il faut juste continuer. Écoute, j'avance. Hein. Putain. Le mec s'est tapé un délire. Un peu crispé, chat. Je suis un peu crispé. C'est le 87, ouais. J'ai reculé dans le doute, hein. Ok, 11. Je comprends pas trop le délire. Si je meurs et on recommence, je vais vraiment avoir la mort. 12. C'est un peu long, non? Faut pas aller au 12, 48, les deux chiffres de sa date additionnée. Non, je pense que tu vas trop loin là. Je pense qu'il faut juste continuer et on cherche trop loin. Si jamais fallait pas continuer, on serait de retour au premier ou un truc comme ça, tu vois. Après, je sais pas, le jeu a l'air tellement tordu. En fait, le truc, c'est que je peux plus me baisser, je peux plus courir. Ok, je dois peut-être louper un truc. Je vais... Oula, il est vachement long le couloir d'un coup là. Il y a quelqu'un derrière moi. T'as vu comme je recule de l'écran? Et le couloir va tout droit maintenant. Peut-être que j'esquive les bruits de pas, c'est pour ça que j'avance et je recule. Se passer un truc. Attends, pourquoi ça s'est éteint et rallumé? On me dit pas que je suis retourné au début? Attends, je suis à quel étage là? 15. Non mais attendez, non mais c'est trop long. Par contre, c'est trop long, hein, ça va me saouler. Hein. En fait, c'est juste ça, c'est juste un simulateur de jumpscare, y'a pas de gameplay, y'a rien. Y'a pas un puzzle, y'a un.
17. Moi, je vais jusqu'à 20. Hein. Si tu fais demi-tour, il se passe quoi? Il se passe rien. Je remonte. Mais bon, au point où on en est... C'est forcément fait exprès. De toute façon, on n'y voit rien. Donc, si t'imagines, faut appuyer sur une brique ou je sais pas quoi, ce serait abusé. Je vais essayer de longer le mur à gauche, vous me dites si vous voyez un truc, mais je pense pas. Y'a rien à voir. C'est briquet là qui allume rien. Ah, c'est bon, hein, moi j'avance. Hein. Vous me faites plus peur avec vos cris là. Voilà. Là, on parle. Ça va redescendre. Ok, on est dans un labyrinthe. Je suis dans un labyrinthe. Ah, ils ont abusé. Ils ont un peu abusé sur la lumière, par contre. Au 20, là, je suis au 20. Je pense que s'il y avait quelque chose à faire... On serait sur le même étage en boucle, tu vois. Je pense qu'il faut juste avancer et pas se prendre la tête. C'est juste anormalement long, en fait. 22. Ok, le level design est bizarre. Ok. Je vais longer le mur. On va arriver sur une porte ou un truc. Là. Il faut aller là. Attends, pourquoi ma vue commence à... A votre avis, faut que j'y aille ou pas, là? J'y vais pas, non? Deux doigts de rage quitte. Hein. Ah, c'est dommage, la démo commençait bien, mais. Ouais, s'il te plaît, Goran, arrête, c'est saoulant. Merci. Bon, chat, je vous écoute. Si vous avez des idées, allez-y. Là, c'est quand même assez saoulant. Ok. Ok, il y a quoi ici? Moi je longe les murs. Hein. Ok. Attends, putain, je suis en train de tourner en rond là. Mais là je fais marche arrière, non? Attends. Et je lui donne, honnêtement, je suis au 28, le jeu je lui donne 5 minutes. 5 minutes, si on est toujours là dans 5 minutes, je rage quitte, je me casse. Non, parce que là ça me saoule, sérieux, c'est absolument pas drôle. 29 étages, c'est bon, ça fait au moins 15 minutes qu'on est dedans, quoi. À moins qu'il y ait un truc qu'on n'ait pas compris, mais bon. Comment tu veux comprendre quelque chose quand tu vois rien? Je peux pas. Je peux pas éteindre le briquet en fait, c'est automatique. Le briquet est automatique, je peux rien faire.
C'est dirigé vers le bruit, bah c'est ce que j'avais fait, mais ça change rien. Merci pour les follow. Il se passe rien, quoi. Donc on va rage quitte. Hein. Ok. Ben ouais, mais c'est trop long. 30 étages pour me montrer ça? Super quoi, ça sert à quoi? Je pense que le mec il se sent plus pissé. Hein. Enfin, le dev, je sais pas ce qu'il a voulu faire là, mais. J'essaie de comprendre un peu son délire. Moi je vais les mettre dans des escaliers, on va aller jusqu'à 50, ça va être trop fun, mais non. Ah, ça va faire 5 minutes, hein. On va rage quitte. C'est dommage parce qu'en vrai ça commençait bien. Mais c'est un jeu pour des gens qui ont 6000 de QI, là, c'est pas possible. 36. C'est un truc de ouf. Mais en plus, ce qui est chiant, c'est que le level design il change, tu vois. On fait des tours, des fois on tourne à droite, on tourne à gauche, il y a des trucs, il y a des. Donc tu te dis que t'es sur la bonne voie. Mais là, il nous suit. Ok, c'est terrifiant, mais je dois faire quoi? C'est ça le problème, c'est qu'on n'y voit rien. Si tu nous avais donné une lampe torche, on aurait pu avoir peur, savoir où on va, mais là, je longe des murs. Il se passe rien. Vas-y, 40, on s'arrête, ça me saoule. En fait, moi, je suis en train de me dire... Je suis en train de me dire, on est allé là alors qu'on devait avoir une lampe torche, c'est pas possible. Vas-y, moi, j'avance, hein. Regarde la vitesse à laquelle j'avance maintenant. Ok, j'ai fait demi-tour tout seul. Ok, tu vas faire quoi? Tu vas me tuer? Franchement, au point où j'en suis, tue-moi quoi. Oh, allez, ça dégage. Non, mais ça dégage. Ah, oh, c'est dommage, putain, c'était bien parti, on était à fond dedans, là, on était en mode, vas-y, on va trouver. Vas-y, ça me saoule. Vas-y, ça me saoule. Non, mais Nick, il y a un moment, Nick. Faut pas aller au 48 pour la date de naissance. Allez, si tu veux, on va jusqu'au 48. Ah, parce que t'as peut-être raison, je me dis. Puis on est déjà au 41, donc... Mais si c'est ça, c'est abusé. Rien que pour ce passage-là, le jeu, pour moi, il passe de wishlisté à pas wishlisté, quoi. C'est qu'une hypothèse. Mais là, regarde, le 43. Ouais, mais écoute, toute hypothèse est bonne à tester, mais... En fait, je pense que le mec a... Voilà. Ok, là, on a... là, il y a quelque chose. On a failli s'arrêter. T'imagines, ça se finit là? Ah non. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, mon briquet s'est éteint. 87. Je peux plus bouger. Ah si. 87. Ok, souvenez-vous du numéro 87. Là, il y a une porte. Oh là là, mais c'est abusé. Donc 87, à mon avis, ça doit être un numéro pour le coffre, peut-être.
Attendez, il y a des symboles. Putain, on a failli s'arrêter à la toute fin, quoi. On a bien fait de comment de continuer un chouille. Toi, tu vas faire quoi, toi? Tu vas nous poursuivre? Non, mais il est perché, hein. Le dev du jeu est perché de ouf, hein. Quelqu'un est venu derrière moi et m'a cassé la nuque. Ok. Vous avez percé un mystère. Dans chaque épisode de Forbidden Tales, en explorant minutieusement votre environnement, vous pouvez découvrir des objets cachés. Ces objets déclencheront des événements singuliers pourront parfois ouvrir l'accès de lieux secrets. Ok. Donc c'était... En fait, c'était un mystère. On n'était même pas obligé de le faire, c'est ça? Donc là, on se réveille encore dans notre chambre. Donc là, en fait, c'était juste un secret. C'était pas du tout obligatoire, ce qu'on vient de faire. Comment on a trouvé cette salle, déjà? On est allé dans la trappe, non? Traduction, c'était inutile. Attends. Non, mais au point où on en est, Yannick. Hein. Non, mais c'est quoi ce jeu? Le jeu est pas nul. Arrêtez de dire nul. Il est pas nul. Il essaye de faire les choses différemment. Ouais, voilà, tu vois, c'est bien ce qui me semblait. Il y a un problème de script, là. Ok. Il y a un problème de script. Mais le truc, c'est que le 87 ne sert à rien, là. Mais on est d'accord, il nous manque toujours un numéro. Donc là, c'était juste un secret. Sur Steam, les commentaires, personne ne peut jouer à cause de la consommation GPU, CPU. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ce que je disais. C'est... En fait, le mec, c'est... je pense que le mec est parti en mode expérimentation. On va expérimenter, je vais mettre le joueur vraiment dans un truc RP, tu vois, en mode full expérimentation. Sauf que ça va trop loin, quoi. Est-ce que là, il va allumer le briquet? J'ai un briquet, je peux pas l'allumer. Putain. Ok, il y a un numéro caché derrière un poster ou un truc. C'est sûr. Là. Combien ça coûte? C'est ça le numéro. 1, 2, 3, 4, 5 bouteilles. Ok, 5 bouteilles. 5 dollars, 4 dollars. Attends, comment je suis censé savoir? Attends, what? 7. En fait, on peut avoir... Je pense qu'on peut avoir le numéro du coffre. Hein. Blue Velvet. Ah, mais les bouteilles sont les mêmes, en fait. Ah, mais les bouteilles sont les mêmes. Ah, bah ici. Donc, 8 dollars. 8 plus... Ah, elles viennent tous peut-être de l'étagère de 8 dollars. Donc 8 x 5. Ouais, tu vois, c'est ça. Donc 8 x 5. 8 x 5, c'est le numéro de le code de l'eau. C'est le 8 x 5. 50% de réduction sur toutes les bouteilles d'eau. Donc 8 x 5 divisé par 2. Ok? Je pense que c'est ça le numéro de l'eau. Donc on a tous les numéros là, en fait. Il y en a une couchée dans le panier. Ah oui, tout à fait. 8 x 6, du coup. 8 x 6 divisé par 2. Ok. Donc, 21. 8 x 6. Pourquoi je peux pas avancer? Oh, il y a le bug! Quoi? C'est quoi ce... J'étais... Je suis bloqué? Ok. 24, pardon. 6 x 8, 48, divisé par 2, 24. Attends, je suis allé où tout à l'heure? Je suis allé là tout à l'heure. Ok, là j'ai le briquet. Ah merde, il y avait un truc marqué dessus.
Je vais pas ouvrir la porte du coup. Ok. Est-ce que là je peux y aller? Non, là je peux pas. Donc là j'ai tous les codes. On a tous les codes ou pas, chat? Le code de l'eau, c'est 24. Le code de la maison, c'est l'année de naissance. On l'a. La pièce d'échiquier, on l'a. Et l'arbre, on l'a. Donc normalement, on a tout. Donc ça fait 24 vers la droite. La maison, c'est l'année de naissance. On avait dit que c'était combien? L'année de naissance. C'était 72 moins 24. Donc 48. Donc 24, 48, 19, 80. C'est ça, hein? 24, 48, 19, 80. Oh, ce jeu... Non, mais c'est un jeu de... Et c'est un jeu de... du MIT, hein. À mon avis, c'est un jeu de MIT. Si vous arrivez à finir la démo, ils vous contactent. 48. 19. Oh, putain. Et j'espère qu'on s'est pas trompé, hein. Oh. T'imagines, on se trompe? Juste imagine, on se trompe. Ok, pour moi, si on se trompe, chat, pour moi, si on se trompe, c'est les pièces d'échiquier. Et je fais quoi, là? C'est pas ça? C'est pas ça? 19, j'ai un doute, ouais. Pour moi, c'est il y a que le 19 où j'ai un doute. Le reste, j'ai pas... Pas trop de doute. Ah ouais, ouais, ouais. Mais non, 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 c'était ça. Hein. J'aimerais bien qu'on finisse la démo, quoi. Non, j'ai tourné vers la droite. Attends, y a rien derrière, non, y a rien derrière. 24 droite, 48 gauche. Bah, de toute façon, c'était obligé de faire droite, gauche, droite, gauche. Bah oui, c'est normal, c'est un truc que tu tournes. Donc tu vas dans un sens, puis dans l'autre, puis dans l'autre, puis dans l'autre. Mais c'est ce que j'ai fait. Attends. Elle a disparu quand? Elle a disparu en 72. Attends. Elle a 24 ans. Donc ouais. Additionner les deux numéros trouvés. Les deux numéros trouvés? Donc, ah non, attends. Elle est née en 48, mais il faut additionner. Donc c'est 12 en fait. Il faut additionner 4 et 8. Donc c'est 12. Donc c'est 24, 12, 19, 80. Comment je remets à zéro? Je peux pas, j'imagine. Ok. 18? Pourquoi 18? On avait dit 19? Ok, attendez, 24, 12. Ça fait plus sens là déjà. 24. 12, 19, 80. Putain, pitié pourvu que ça soit ça. Oh putain! Oh putain! Oh, il y a une arme. Oh chat, mais c'est un truc de ouf. Comme on est bon. C'est un truc de ouf. Pute! Pardon. Oh non, 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 c'est la fin de la démo. J'aurais dû prendre l'arme au lieu de bouger. Je sais pas si je pouvais prendre l'arme. Elle se barre, attendez, elle se barre. En fait, c'est trop compliqué pour que ça soit fun, mais il y a vraiment... Là, pour le coup, c'est vraiment un... T'as vraiment du vrai puzzle game hardcore, quoi. Je peux comprendre les gens qui kiffent.
Elle est déjà ouverte. Elle. C'est un faux. S'il y a du orange, c'est que c'est un faux, ouais. Magic Toy. Attends, c'est marqué ? Magic Toy Land. Walter. Je peux pas le prendre. Et là, y a rien. Attends, en fait, ça servait à rien. Ça servait juste à débloquer la porte rouge. C'est tout ? Ok. Je trouve ça un peu abusé si c'est juste pour déverrouiller la porte rouge. Avance, s'il te plaît. T'as quelqu'un au cul, en fait. Ok, c'est fait exprès. Allez, pan, la porte dans ta mouille. Je sais pas pourquoi la gamine veut me tuer, on comprend rien. Ok, porte rouge. Fin de la démo. Pas encore. Pas encore, calmez-vous. Ah, c'est la Red Room. C'est la Red Room qu'on voyait de la caméra là. Ok. Attends, ça ferait une bonne miniature ça. Et ça s'est fermé. Oh non, je voulais pas ouvrir la porte. Ah bah j'étais obligé. Bon, attendez, on a presque fini. Donc en fait, la gamine a été élevée dans une salle où elle voit des meurtres et des... What? Enfin, moi qui voulais aller à la salle, laisse tomber. Comment tu vas aller à la salle et te concentrer après cette bouillie là? Salut Skybreo. Skybreaker. J'ai rien vu. J'ai vu un mec avec un costard, mais on n'a pas vu sa tête. You weren't supposed to make it this far. Come on. Damn it. Come on. Et donc là, je suis attaché à une chaise. Avec des boyaux partout. On est d'accord, on a vu un costard de très près. Hein. Le jeu est assez joli en vrai. Hein. En mode Slenderman, ouais. I can help you. We can get out of here. Both of us. Ok, on est coincé dans une expérience. Elle va nous buter, bah ouais, mais c'est ce qu'elle a vu depuis qu'elle est petite. Please, wait, wait, we can make it. Please, don't do this. It's what he wants. Ils viennent d'où tous ces boyaux là? Listen to me. He's manipulating you. I can help. Ah, le mec du début, eh oui, c'est le mec du début. Please, don't do this. We can make it out. I'm begging you. L'angle est pas mal, j'aime bien. Et lui, il se touche derrière sa caméra, quoi. Ouais, c'est les autres participants. Je pense pas que du coup, ça soit l'urbex que vous m'avez dit. Forbidden Tape. Mais en vrai, la démo, on dirait qu'on a fait le jeu complet, là. Non ? Simon Albert, c'est peut-être un jeu français. On dirait pas une démo, on dirait un jeu complet. Et du coup, ça tease quoi, en fait ? Il y a 3 chapitres ? Je sais pas, bah là, on a fini une... En fait, c'est les escaliers qui nous ont refroidis, mais c'était une zone secrète. C'est Gogos. S'il manque 2 chapitres, la durée de vie du jeu a l'air affolante. Bah non, ça fait... Ouais, ça fait 4-5 heures, quoi. Après, généralement, dans ce genre de jeu, le premier chapitre est toujours le meilleur, parce que c'est celui qui a le plus bossé. Mais Mais du coup, à quoi sert le 9-1-1, le call au début, quoi? Je veux dire, on aurait pu se réveiller. Ouais, ça sert à ajouter un peu de lore. À moins que dans les autres chapitres, il y ait un but, justement.
Peut-être que dans le chapitre 2, on joue la daronne qui essaie de trouver son gamin. Le truc, c'est que c'est pas... Ça nous tease rien, en fait. Tu vois? C'est la mère du gars que tu viens de jouer. Ouais, ça, je sais, j'ai compris. Ce que je vous dis, c'est qu'une démo, c'est censé teaser un truc, tu vois. Mais là, ça tease rien. Après, il avait dit que c'était le premier chapitre, mais... En fait, c'est le bon jeu, le bon lien, mais la démo correspond pas à la description ni aux images. C'est vrai ? Bah attends, on va aller voir. On va aller voir la page Steam pour voir. Peut-être qu'on y comprendra un petit peu mieux avec la page Steam. Ah, attendez, c'est pas fini. Personne n'a un bureau aussi propre. J'y crois pas. Y a que les psychopathes. Le cauchemar hanté. Ah non, le The Haunted Maze. Donc ça, c'est ce qu'on vient de faire en vrai. C'est la cassette qu'on vient de faire. The First Story of Forbidden Tapes. Attends, il est en train de nous faire un teaser du truc qu'on vient de faire ? Ah non. La maison à 100 balles, on la connaît. Non, mais il y a l'air d'avoir un lore et tout, hein. Bon, cette maison, on la connaît par cœur, elle est dans 90% des jeux d'horreur. Alors, ce que je me dis, c'est qu'il a sorti une démo il y a plusieurs mois. Et qu'en fait, il a mis à jour sa démo. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour la sortie de The Haunted Maze. Mais c'est pas ce qu'on vient de faire ? Premier épisode de Forbidden Tapes. En attendant, restez informés. Attendez, on va aller voir la page de Steam. Attendez, on va voir la page de Steam ensemble. Mais oui, ça ressemble pas du tout à ça. Regardez. C'est pour ça que je me suis dit, on va faire la démo et tout. Donc, attends, je comprends pas. On a joué le deuxième chapitre, du coup ? Un jeu composé de trois histoires. Premier épisode, découvrir l'enregistrement de Jérémy. Bah ouais, c'est ce que je disais dans l'urbex. Ok, pourtant le trailer c'est ça. Hein. Ouais, non mais ok. Et on se réveille ici. Ok. Alors attends. Évoluer dans un environnement inquiétant. Explorer. Dans le premier épisode, explorer une maison abandonnée. Donc en fait, on a fait le deuxième chapitre. L'esthétique VHS. Chacune des trois histoires comportera son lot d'easter eggs à découvrir. Vous pouvez. Hein. Ok, mais on sait rien d'autre en fait. Donc là, on a fait la deuxième tape, peut-être sur trois. Sauf qu'à aucun moment, ils nous expliquent que c'est le cas. Et puis surtout, ça n'a rien à voir avec. À mon avis, ils ont dû mettre à jour la démo pour le Steam, le NeoFest. Ils se sont dit, vas-y, fuck it. La première démo, elle était trop moche, on met la deuxième. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, j'ai rien compris. Est-ce qu'ils ont fait d'autres jeux ? Ils ont pas fait d'autres jeux ? Je comprends rien. Eh ben écoute, YouTube, tu me diras ce que t'as pensé du jeu. C'est dommage parce que... Il y avait des trucs bien, est-ce que... Ouais, je pense que ça quitte le jeu. Il y avait des trucs bien, le côté puzzle poussé, bah ça peut plaire à certains. Moi, ça m'a plu quand même quelque part. Mais... Je sais pas, je suis un peu mitigé, je peux pas vraiment vous dire, je suis un peu mitigé. Il y avait une fiche sur la télé qui disait que c'était le prologue. Mais, je comprends rien. C'est vrai que t'as raison, il y avait une fiche sur la télé qui disait que c'est le prologue. Mais du coup, en fait, il y a 4 chapitres, et ça, c'est le prologue. Mais le prologue, il explique le lore. Ah, le jeu a quitté tout seul. J'ai rien compris. YouTube, tu me diras. Tu feras des recherches, tu me diras. Moi, je vais laisser décanter. Le jeu était assez joli. J'ai quand même assez aimé. Les puzzles étaient quand même assez cool. Bien que hardcore, on va pas se mentir. Hardcore par rapport à ce qu'on a l'habitude, tu vois, d'avoir. Ça peut plaire à certains, ça peut déplaire à d'autres. Je suis assez d'accord avec ça. Le coup de l'escalier, absolument à chier. À ne plus refaire. Aucun intérêt. J'ai perdu 20 minutes de ma vie. Et toi aussi. Sauf sur YouTube, hein, si tu regardes en accéléré. Mais écoute, un jeu à surveiller. Pourquoi pas, pourquoi pas, à voir les retours. Des bisous YouTube.